Et salut tout le monde, salut YouTube, nous sommes repartis pour du Wolong Fallen Dynasty sur PC et nous arrivons au niveau le banquet final du tyran, niveau recommandé 55, donc je suis un petit peu sous level, je suis level 51, donc j'ai 4 levels de retard sur le niveau, mais c'est pas grave. Donc l'objectif, sauver Hong Jing qui s'est infiltré dans le fort de Mei Wu. Ça va être encore un gros niveau du chapitre 4. Décidément, le chapitre 4 est énorme. Mais tranquille. Je suis venu ici avec Hong Jing en cherchant l'élixir. Je ne savais pas en quoi consistait son plan, mais je l'ai vu entrer seul dans son fort. J'aimerais que tu frayes un chemin à l'intérieur, que tu la trouves et que tu la ramènes saine et sauve. Fallait peut-être y penser avant de l'envoyer, non? Putain, ton con dans le jeu. Et du coup, ouais, du coup, à mon avis, ça doit être le dernier niveau du chapitre 4, parce que bien évidemment ça s'appelle le banquet final, donc j'imagine que c'est le dernier niveau du chapitre. Et puis 4 niveaux, ça commence à faire beaucoup. Par contre, du coup, dans ce niveau, je ne suis pas du tout accompagné. Ça change drastiquement comparé au niveau d'avant où j'étais avec deux personnes. Là, je suis avec personne de base. Après, je peux quand même prendre quelqu'un. Ah, mais est-ce que c'est pas ça qu'on avait dit? Il faut que je sache qui. Bon, ça va faire apparaître les deux mobs que je viens de tuer, mais qui est derrière ça là, King Long. Qui est derrière King Long? Je sais pas du tout qui est derrière King Long. Comment on peut savoir quelle personne est derrière King Long, à part s'en souvenir? Bah après, c'est le deuxième, donc il a dû apparaître assez vite. Comment on fait pour invoquer quelqu'un en renfort? Ah bah ça doit être là. C'est toi? C'est Liu Bei? Niveau de serment 3. Ça doit être Liu Bei. Ça peut être Hong Jin aussi, mais là Hong Jin elle est un peu occupée. Bâton vert de jade. Après, ouais, j'en sais rien en fait. J'ai même pas écrit. Attends, est-ce que c'est le nom des gens? Est-ce que c'est le nom des gens ou pas? King Long, Zuke, Teng... Non, c'est le nom des divinités, je pense. King Long. Du coup, je sais pas comment l'améliorer. Enfin, je sais pas qui c'est qu'il faut que je prenne. Je pense qu'il faut que je prenne le premier qui vient dans la liste, là, Liu Bei, non? Il est niveau de servant 3. Il faut que je lui fasse boire... Que je lui fasse boire une tasse de cordialité, là? J'en sais rien, bordel. Y'a pas plus de détails? Tiens, je te donne une tasse. Il passe level 5. Et je l'invoque avec moi pour voir ce que ça fait. Liu Bei, tiens les touches. Je vais t'apporter mon aide. Je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Regarde l'icône en haut à gauche du monsieur. Ouais, bah c'est l'icône du bois. C'est pour dire qu'il était. Il correspond, ouais, à l'animal totem et à mon build actuel. Donc le truc vert en bois. Mais ça me dit pas en fait si c'est le bon. S'il correspond au bon animal totem, parce qu'en fait il y en a plusieurs qui peuvent être du même type. Bon là actuellement j'en ai qu'un seul en bois, mais peut-être que plus tard j'en aurai un autre, hein, j'en sais rien. Je sais pas comment ça marche, parce qu'en fait je crois qu'à un moment, et c'est pour ça que je me fais cette réflexion, j'ai vu comme quoi mon lien était renforcé avec un perso et que du coup ça a amélioré l'animal totem Biou. Qui est celui qui vient juste après, qui est celui de métal je crois, ou un truc comme ça. Donc je me dis qu'il y a un moyen de renforcer aussi mon animal totem à moi, mais je sais pas comment en fait, c'est ça le truc. J'avoue que ça j'ai pas capté. Bon, on va se calmer s'il vous plaît. Ah
Il commence à me mettre des sacrées tartes là dans ce niveau, hein. Ça se voit que je suis un peu under level là. Ça se ressent, ça se ressent. Dans un coin, il fait plus rien, ça me fume. Ah, je t'ai vu, mais il va peut-être m'entendre vu que c'est un ninja. Enfin, un ninja. Et non, il ne m'a point entendu. Il faut retourner à l'école des ninjas, hein. C'est nul comme ça. Ah! Ah, arrêtez! Putain, sérieux quoi, les dégâts qu'ils m'ont mis? Ah! Je l'ai fait descendre. J'utilisais tellement de munitions juste pour sa gueule. Merde. J'étais trop près pour faire mon sort, il m'a entendu. Salut, tu m'as pas vu? Tu me vois, tu me vois plus, tu me vois, tu me vois plus. Tu me vois, tu me vois plus. Et boum. Dans ton gueule. Là, le niveau il est en full. Il va être en full verticalité là. Ça va être trop chiant de tout trouver, je sens. Ah, j'ai pas regardé ce qu'il y avait à récupérer d'important dans le niveau. Malheureusement, on voit qu'il y a des trucs sur les toits et tout, putain. C'est horrible. C'est horrible, premier gros drapeau. Est-ce qu'on peut ouvrir ça? Non, c'est de l'autre côté, ça sera un raccourci. Donc on est obligé de se taper tout le bas là, j'imagine. Tout le bas, tout le bas. Tout le monde, tout le monde. Parce que du coup, moi j'ai fait cette partie là, mais il y avait une autre partie, hein, on est d'accord? Là, il y a un petit drapeau à récup. Que du coup, tu loupes. Si tu ne viens pas ici. Mais putain, ça le one-shot pas. Ah oui, mais c'est parce que j'ai pas amélioré mon arbalète, je crois. Non! Je suis tombé tout droit. Je crois qu'il vient d'appeler toute la planète, lui, non? Oh là là. Oh là, mais je suis mort! Ils font trop mal, là. Putain, mais moi je pensais que j'allais sur le balcon là. Putain, c'était ridicule. Oh, comme c'était ridicule. Je suis tombé en plein milieu de tout le monde. Ridicule. Mais après, j'ai aussi mal joué. Bien évidemment, j'aurais pu ne pas mourir. Il fait n'importe quoi, mon perso, ça me saoule. Mais putain, mais c'est mieux, bravo. Oh, les niveaux verticaux, c'est vraiment de la merde. Hein.
En 2 secondes, tu peux aggro toute la map juste parce que t'as des mecs au-dessus, des mecs en-dessous. C'est infernal, genre. C'est putain d'insupportable. Possible. Ah, ça me change d'être vraiment en retard en niveau. Ça se ressent instantanément. Hein. Je me prends des énormes baves dans la gueule. Ça fait quelque chose, hein, je vais pas vous mentir. Ça fait quelque chose de se reprendre des baffes là. Nul à chier qu'elle one shot pas. Mais ils vont continuer à tirer. Oh le bolos. Non. Il m'a eu en l'air. Mais quoi, mais putain, mais vas-y. Votre jeu là. Votre jeu de merde là. C'est bon, y'en a marre. Marre de votre jeu de merde. Au-dessus, le mec il m'a capté juste parce que j'ai mis mon sort quoi. Je veux plus jouer, c'est décidé. J'en ai marre. Pendant qu'on y est, est-ce qu'on a loupé quelque chose? Genre un bâtiment ouvert ou un truc du genre, non? Ah, il y a un drapeau là-bas. Ah bah oui, mais... Ah oui, trop du cul, il y a un drapeau là-bas, celui que t'as manqué tout à l'heure. Est-ce qu'il y a moyen ou pas? Ou est-ce que vraiment il faut que je refasse le tour? Je pense que je dois faire le tour. Hein. Bah oui, il y a un drapeau, connard. Premier du niveau quoi. Ça va être si long. Ok. C'est quoi, y'a que des loups là? T'en fous des loups, c'est nul à chier. Ah, y'a un truc à récupérer là-bas, mais là je peux pas, je crois.
sauf si je peux monter sur la porte. Mais ça m'étonnerait. Les loups sont vraiment à yèche dans ce jeu. Ah, une invasion. Putain, mais en plus j'ai plus mon pote, c'est vrai. C'est vrai que ça, j'ai plus mon pote. Bon, on va se battre ici. Hein. Alors, nouvelle zone. Il y a des archers de partout. Trop chiant. Quelle map de merde. Mais quoi? Mais comment ça 40? Je lui ai mis un headshot, il y avait l'icône. Il y avait l'icône du headshot et ça lui a fait que 40. Putain. Le codec le cul là. Voilà! Headshot, bordel. Pas si compliqué. À clean là. Par contre le fait que je sois under level par contre ouais prend beaucoup de ki, mais genre vraiment beaucoup de ki, donc ça c'est pas mal en vrai, la partie positive. Ouais mon pote. Et ouais ouais. Il y a un mec là. Prêt à dégainer. Fallait dégainer un peu plus tôt mon poteau. Là il y a trois mecs là. Là ça va être tendu. J'hésite à faire un truc, c'est d'abord m'occuper de la partie ici pour prendre le gros drapeau parce que c'est lui qu'il faut tuer, et après je ferai les trois autres quand j'aurai le drapeau pour être sûr quoi. J'ai quelques dégâts pas trop dégueux, c'est ça qui est pas mal. Prends ça, je clean le reste de la zone là. Je vérifie, je check tout ce qu'il y a à check là. Je prends tout ce qu'il y a à prendre et après je me montrerai des niveaux. Oh oh. Des niveaux oh oh. Parce que là je peux vite me faire pulvère là, mais genre très vite. Le gros est mort. Ah
Je me suis un peu loupé, mais ça va. Ça le fait. Tout ça pour un truc 3 étoiles de merde. Super. Super. Je m'attendais à un meilleur truc. Ah oui, c'est vrai que j'ai ça à récupérer. Comment je le récupère, ce truc de merde, là? Comment? Ah oui, il faut que je monte là-bas, je pense. Ouais, ouais, ouais. Alors attends, est-ce qu'il n'y a pas une petite maison ouverte pendant qu'on y est aussi? Un petit truc caché, là. Cuir de rang 6. Ah, c'est ça qu'il nous faut, c'est du rang 6. Ouais, ça y est, on commence à dropper du rang 6. C'est bien, c'est bien. Alors, rien en dessous. Nope. Ok. Ok, ça m'a l'air d'être un gros truc en plus. Carapace, ouais, nice. La cigale dorée. J'espère qu'il te donne un truc bien, le mec, quand il a tout, parce que bon. On chiante ces carapaces dorées à récupérer. Et je pense qu'on a clean la zone, du coup, on va la reset. 77 000, c'est énorme. C'est énorme. Et du coup, je passe à 42 bois. 42 bois. Je me prends 42 bois. Ce qui fait que je peux aller me prendre le truc que je veux me prendre depuis 10 000 ans. Oui. Alors par contre, du coup, c'est à la place de quoi que je vais y mettre. J'avoue que les sorts gauche et droite, je les utilise pas tant que ça en vrai. Le heal, je l'utilise beaucoup. La foot, je l'utilise beaucoup du coup maintenant. Et du coup, soit on s'enlève la zone de focus, soit la formation défensive, une des deux. Ça, c'est safe et ça c'est bourrin. Ça dépend. En fait, après, le problème des zones comme ça, c'est que... il faut rester dans la zone et c'est ça qui est chiant, je trouve. Sauf que quand t'es contre un mob, surtout un boss, ça bouge tout le temps en fait. Genre tu bouges tout le temps de la zone, ça n'a pas d'intérêt. Du coup, je pense qu'on va se faire... Je pense que je vais enlever l'attaque supplémentaire, je pense. Ouais, ou la défense. Peut-être la défense. C'est où ? Cauchemar barbelé. Parce qu'en plus ça nous redonne des HP. C'est pas dégueu. À moi et à mes alliés. C'est vraiment pas dégueu. Ah, on s'enfonce dans le sol. Ah, va y avoir des trucs de qui m'enlèvent de l'esprit là. Oui, bonjour. Le débit, tu sais, le débit du mec. Il m'attaque en boucle. Ça va que j'ai du dégât quand même maintenant. Au moins pour gérer les petits mobs. Au moins ça, quoi. De rang 7. Ah, je pense même à choper du cœur de rang 7. Ou alors c'est du rang 7 qu'il me fallait et que je suis déjà en plus 6. Non, je suis en plus 5 là. Là, je suis en plus 5 sur mes armes et mes armures. Donc j'ai même pas encore chopé assez de trucs rang 6 que je chope déjà des trucs rang 7. What the fuck?
Bon là, à mon avis, il va y avoir plein de petites zones à la con. Hein. Ça, c'est fermé de l'autre côté. Of course. Probablement se perdre là-dedans, moi je vous le dis. Un truc à récupérer là. Oh là là, il y a des chemins de partout, ça m'angoisse déjà. Je suis déjà angoissé. Niveau m'angoisse déjà. Là, il y a une grosse zone là-bas. Ah, bonjour monsieur. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Cure de rancette encore. La note. Un geôlier. Ok, donc là, ça se finit. Là, ça m'angoisse un peu, cette salle. Faut bien l'avouer. Faut bien l'avouer que cette salle, j'ai pas trop confiance, là, comme ça. Je vais visiter un peu ici, voir ce que ça donne, voir si tout se rejoint ou pas. Ah mais c'est juste ça. Oh. Oh. Explosion. En fait du coup il n'y a rien ici, c'est Osef. Oui, donc en fait c'était vraiment la suite où j'allais. Ok. Ok, ok, ben allons dans la grosse salle alors. Ah bon Dieu. Il y aura un boss là, non? Non, ah non, non, il y a juste plein de mobs. Il y en a un qui m'a vu. Et un putain de sorcier à la con, bien évidemment. Je peux pas aller le voir. Si. Alors j'ai l'impression qu'on peut aller au-dessus, mais là je peux pas. Pas comme ça. Pas comme ça, Jérémy, pas comme ça. Mais putain, les headshots qui passent pas, ça m'énerve. Ah yes. J'arrive pas à parer. J'ai pas le timing. Sa grand-mère, j'ai pas de timing. J'étais off timing tout le long. C'est génial.
Donc en fait l'autre il fait le grand tour à chaque fois. Qui me tire des boules de feu, oh, ça devait être lui. Ah non. C'était pas lui, c'est lui. Faut que j'aille le rejoindre. Ok, c'est ici. J'adore quand je bloque rien du tout. Ah là c'est mieux. Là je suis d'accord. Parce que là le jeu était littéralement en train de me chier dessus depuis tout à l'heure, là j'arrive à rien faire. Ça fait du bien de réussir à bloquer de nouveau. Mais mon trou du cul! Putain, c'est pas possible! Voilà, là on discute. Deuxième petit que je mets. Putain, oh, l'immensité du niveau encore là, putain. Y'en a marre. Bon, j'imagine que cette salle c'est bon. Da 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 da. Ah, c'est un crocodile, putain, j'avais pas capté ce que c'était. Est-ce qu'il y a des archers à la con ou pas? Il y a un petit drapeau en haut. Ah, elle raccourcit. El famoso raccourci, pas mal. Ah, il y a un panda juste là. Il a pas peur celui-là. Truc pour le... Y'a pas eu l'icône pour l'assassiner, j'hallucine quoi, putain. Je suis pile au-dessus de lui, hein. Pile au-dessus de lui. C'est n'importe quoi. Je suis pile au-dessus de lui et le truc n'apparaît pas. C'est débile. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'étais pile au-dessus de lui, hein. Ah, essence de veine de dragon, nice. Ça, c'est so nice. Très bon, très bon. De toute façon là le bruit que j'entends je crois que c'est le panda. Qu'est-ce que j'ai à te donner le panda là hein? Faut bien avoir des trucs en double de 4 étoiles non? Qu'est-ce que j'ai pour toi mon ami? Masse d'ast en bronze, voilà. Tiang, régale-toi.
merci bien. Donc là-bas, c'est d'où je venais. Là, c'est le raccourci. Donc ça veut dire qu'il me reste qu'une possibilité, c'est là, plutôt. Ah non, il y a ça aussi. Et ça, c'est juste pour un coffre. Mais pas que. Un élixir. J'ai jamais utilisé d'élixir de ma vie. Je devrais peut-être. Oh là là. Après, finalement, ça va, on se perd pas trop, c'est plutôt du tout droit en fait, ce niveau. Ta 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 ta. Lui faire un petit assassinat là, dommage. Donc on peut continuer là-haut, mais il y a aussi un petit passage ici. Ah, ok. Juste pour le petit drapeau. Bien évidemment. Ok, bah je pense qu'on est à la moitié du niveau là. Au vu des petits drapeaux ramassés. Continuons. Et on revient à la surface avec un gros drapeau qui nous attend juste devant nous. Et une bambouseraie. Donc je vais pouvoir me mettre mes niveaux. On est à 91 000. Hein. 91 000 de ki. Est-ce que je peux me mettre deux niveaux? Ouais, je peux me mettre deux niveaux. Alors, est-ce que je continue à m'augmenter le bois? Ça, c'est la vraie question. Est-ce que je continue à augmenter le bois? Ah mais non, mais attends. Mais du coup, c'est le bois qui augmente la durée des sortilèges. Ah ouais, c'est complètement le bois qui augmente la durée des sortilèges. Bon, pas tous les niveaux. Mais je suis à 120%. Ah, en ayant augmenté le bois. En fait, je sais pas si j'augmente autre chose. Parce que ma nouvelle arme que j'ai là. Enfin, ma nouvelle arme que j'ai depuis un petit moment. Elle scale sur... autre chose. Je crois qu'elle scale sur le métal si je dis pas de bêtises. Je me perds. Là. Ouais, elle scale aussi sur le feu, mais bon, des moins. Alors que le métal, elle est en C+. Ou je sais pas. Est-ce que c'est juste... est-ce que je go juste en mode OZEF, continue le bois ou j'augmente autre chose? Que le métal, ça augmente quoi? Le métal, ça augmente la durabilité de l'esprit. Les sortilèges consomment moins. Et c'est tout. C'est surtout durabilité de l'esprit qui est ok à prendre, je pense. Mais... est-ce que Joseph pas un peu en vrai? Je me demande si Joseph pas un peu. Au final. Limite le truc qui me donnerait le plus envie, c'est de partir sur de l'eau pour de la discrétion. Mais on peut juste être débile et continuer sur le bois à l'infini et l'au-delà. Hein, parce que de toute façon le bois c'est les HP donc... c'est jamais perdu. En vrai, c'est jamais perdu. En fait, c'est juste si je voulais un autre gros sortilège. D'ailleurs, j'ai toujours pas utilisé mon gros sortilège. Hein. Je l'ai toujours pas utilisé.
Il serait peut-être temps. Le truc c'est que les ennemis je les tue assez vite. On peut le tester ici. Ouais. Et il m'a cancel le bâtard. Ouais, ça met juste un peu de temps à arriver quoi. Mais c'est fort. Faut juste le poser au bon moment. On ramasse de la bonne arme. Hein. Personne n'avait vu celui-là. Même lui, il savait pas qu'il était là. Même lui, j'en suis sûr, il avait oublié sa présence ici. Est-ce qu'on peut accéder? Oui. Journal d'une danseuse. Eau magique. Ah bah tiens, tout à l'heure je suis mort. Mon eau magique, j'ai dû la perdre du coup. Eh, j'ai plus aucun des deux. Eh oui, j'ai plus aucun des deux vu que je suis mort tout à l'heure comme une merde. On va réutiliser ça. Hein. Hop les. Il y a du dégât, on va pas se mentir là-dessus. Aïe. Méchant pas beau. À récup là, mais y'a rien à faire là. Ah si, oh ouais, oh oui, un cristal de veine de dragon en plus, putain. Ah ouais, lui aussi il pouvait bien se louper. Je passe à 8 popotes, let's go. Ça fait plaisir. Je peux pas l'assassiner à travers les bambous. Cure de rang 7. Je
pense que j'ai fait le tour du bambou. Ah non. Pas tout à fait. Ah le bâtard. Ah le bâtard, il m'a touché. Bon. On va dire que c'est ok. On envoie du paysage. Ah, donc l'objectif c'est là. On va aller de l'autre côté. Je suis vachement près là. C'est clean. Là, on va pas se mentir, c'était plutôt clean. La musique qui devient bien stressante là. Donc il nous reste un gros drapeau et trois petits drapeaux comme d'habitude. C'est toujours à peu près foutu pareil. Donc là il y a un petit accès ici. Oh le gros cristal, ça c'est 6000 je crois. On l'avait déjà eu. Parce que ouais, le but c'est d'aller là et après d'aller chercher un truc là-bas là. Est-ce que je peux aller là-haut? Je ne pense pas. C'est quoi ça? C'est un raccourci? Ou c'est une suite? Je crois qu'on ouvre un raccourci là. Du début du niveau. Ah oui! Oh oui! Ah bah oui! Putain, je l'avais complètement zappé celui-là. Ah oui, oui, bah oui, c'est putain de raccourci. Ah oui, oui. Ah oui, ça c'est du raccourci, oui. Effectivement. Lotus sacré. Effectivement là on peut pas faire plus on peut pas faire plus raccourci que ça je pense. Ouais. C'est the big shortcut. On pourrait limite. Parce qu'il y a pas des... il y avait pas d'ennemis ici. Ah mais non mais ça me sert à rien, j'ai pas de niveau là. J'aurais pu reset, mais bon vas-y, j'ai 6 fioles. Je pense pas qu'il y a un boss maintenant. Oh, quoique. C'est pas un vrai gros boss, c'est plus un mini boss, mais putain. Ouais, si je veux débloquer le dernier truc, je suis obligé de le battre.
cochon. Ah oh le gros cochon. Est-ce qu'on lui a mis au gros cochon? Là. Donc forcément j'imagine que si je veux aller battre le boss final, je dois aller là. Sauf que du coup... C'est un raccourci ça. Non. Moi je viens d'où? Je viens de là? Je sais plus. Je viens de là-bas. Ouais. Ah des tigrous, ça faisait longtemps tiens. Et là ça doit être toute la partie pour trouver les trois derniers drapeaux j'imagine. Les petits drapeaux. J'ai rien bloqué. J'ai décidé que j'arrêtais de bloquer, voilà. Ah oui, je one shot presque, je vais y arriver. Les gros tigrous maintenant, putain. Solide ça. Ouais, je suis pas mal en termes de dégâts, ouais. Je suis pas mal du tout. À la loyale, Francky. Il a pas décidé de me faire chier lui. Let's go. Il y a un drapeau là-haut. Ouais, je peux monter par ici je pense. Mais j'ai vu qu'il restait un tigrou là. Le tigrou. Que ça s'ouvre. Alors attends, parce que du coup je pouvais aller là-haut. Un pet, moi. Je pouvais aller là-haut. Ça fait peur le con. Boudjou, il m'a fait peur celui-là. Donc du coup je peux monter là. Après le but c'est de monter juste en haut. Là. Ok, donc il m'en reste un seul. Putain! Attends, on peut aller sur le toit là-bas? Oui, il y a un mage en plus. But how? Est-ce que je peux pas aller sur les murailles?
Parce que le dernier, il est là-bas, là. Je sais où il est. On l'a vu en arrivant. Et je ne l'ai point oublié. Par contre... Sachant qu'on ne peut pas voler dans le jeu. Comment je dois aller là-bas ? Juste faut monter comme ça en fait, je crois. Ah bah oui. Tout simplement. Carapace de cigale en plus. Ok, donc maintenant on va là. Je pourrais limite me donner le niveau, reset et me donner le niveau maintenant. Ouais, je pense. Je pense que je peux faire ça. Que là on s'en fout que le reste soit réapparu. Ah si, je vais juste faire un truc. Et regarder si j'ai encore des trucs importants à récupérer. Cigale, note, non j'ai tout. J'ai tout, il me reste juste le dernier drapeau. On les fait bien correctement les niveaux là. Jusqu'à la dernière goutte. Pef. Mais bon, on était déjà au maximum de rang de bravoure. Bon. Je vais aller checker de l'autre côté s'il n'y a pas un petit objet quand même à récup. Et la réponse est non. Ok, eh bien allons affronter le boss final. Enfin le boss final, le boss de fin de niveau. Qui est probablement censé être Dongzhui, je ne sais plus comment il s'appelle. Est-ce que ça c'est Loubou? Sauf si on réaffronte Loubou, mais ça m'étonnerait parce que Loubou est giga puissant. Je pense que Loubou il apparaîtra plus tard. Enfin il réapparaîtra plus tard, je pense. Dongzhui. Là c'est le banquet final là. Donc c'est lui qui va y passer. Ou moi hein, peut-être. Le temps de me remettre. Il me remet dans la sauce. J'arrive pas, ces attaques elles sont tellement, il délaye tellement de ses attaques que j'arrive pas à les bloquer correctement. Ça fait trop bizarre d'avoir un boss humain. Oh non, pas encore un crash. Oh, vas-y. C'est le même crash que la dernière fois. L'image se fige, mais le jeu derrière, il joue encore. Et du coup, je suis mort. Putain, mais vas-y, mais faites des jeux qui arrêtent, enfin, qui crashent pas, quoi, les gars, sérieux. Surtout des jeux comme ça, tu sais, des jeux ultra exigeants. Ah, ça me casse les couilles. C'est trop chiant, genre, c'est... C'est la deuxième fois que le jeu il crash. Je vais avoir un crash par session, en fait, je pense, maintenant. Mais c'est bizarre parce que, enfin, tout
tout le début du jeu, enfin on va dire jusqu'au chapitre 3, j'ai jamais rien eu, ni aucun ralentissement, ni aucun... Voilà, le jeu a crash directement quand je l'ai lancé. Pas de ralentissement, pas de crash du jeu, rien. Et c'est depuis le chapitre 4, genre le jeu, il n'y arrive pas, genre. Il a des drops de FPS de malade. Il crash une fois de temps en temps, c'est horrible. Un jeu opti avec le cul, mais bon, au moins il y a des sauvegardes dans le jeu, donc ça c'est pas mal. Il y a des bannières et des sauvegardes. Ouais. Bon après, ça va, j'ai rien. J'ai rien perdu réellement, en vrai. Le boss était en train de me défoncer. On avait le dernier drapeau, donc en vrai, ça va. Ça va, ça va, ça va. C'est vrai que c'était au début du fight. Oui, voilà, si en vrai, s'il y avait eu un crash alors que le mec il lui restait 2 PV, tu vois, bon. Là, ça aurait été. Là, je pense que j'aurais un peu pété un câble. Genre, un peu. Fait une deuxième fois direct. Ça, je m'y attendais pas, ça. Ça, c'est trop chiant, par contre. Ça, c'est horrible. Oh, waouh! La vie qu'il m'avait enlevé avec ses kunai, cet enfoiré. J'ai plus de vie. C'est mon ulti qui vient d'apparaître. Je vais l'utiliser maintenant. Let's go! Il est peut-être pas fini.
Il n'y a pas eu l'écran de victoire, donc il est pas fini à mon avis. Et il aurait une deuxième phase à venir. Ou alors ça viendra après la cinématique. Ah oui, c'est vrai que elle, elle le connaît le bout, je crois. Ah oui, c'est son frère. Il va le tuer, Lubo, il va le tuer pour sauver sa sœur. Ah, c'était sûr. De toute façon, ils se trahissent tous. Les méchants, ils se trahissent tous dans le jeu pour l'élixir. Ouais, c'est juste que c'est pas moi qui l'ai fini. Quoi. Tiens, il a pris tout l'XP cet enfoiré. Bien quoi, moi. Zhang Liao, t'as de ça. Tiens, quoi, moi. Oula, l'ouverture de la porte était bizarre. La porte, elle était en papier. Je vous remercie. 我一直苦苦地追寻着他的背影，他究竟为何而渴望丹药？若不查明真相，便无法回到曾经充满笑声的日子。见到你冲破邪气的黑暗，勇往直前的身影，令我下定了决心。即使要与兄长刀剑相向。 On a débloqué un nouveau symbole. Le cheval. Le cheval zèbre licorne. Je ne vais pas abandonner. 要论固执这一点，就算是和兄长相比，我也不会让步。 Oh ouais, même mon frère ne peut pas me battre. 那家伙居然还活着，多想能够再回到一起努力修行的时候。 Confiante. Vous avez obtenu la jade de Xixi. Après avoir prêté serment. Super. Est-ce que le chapitre 4 est terminé? J'imagine que oui, quand même. Après ça, c'est bon. Passons au chapitre 5, s'il vous plaît. Je vous en prie. Je vous en prie, bordel. Parce que bon, s'il y a encore 3 chapitres là. Hein. Rendu, quoi. À un moment, moi. D'autres choses à faire, quoi. Encore un
丹药已落入当今天下无双之武将手中。曹操认为吕布为虎狼之将，警惕着其动向，却因吕布偷袭了要地濮阳，而陷入了前所未有的险境。给将军开路！les boucliers sont en pierre. Comment les flèches sont rentrées là ?夺回濮阳！Ah, c'est moi ! Je suis trop fort !身手不错，但别大意！濮阳！Mais tirez sur le cheval, bon sang. Lu Bu 果然名不虚传，曹操军倒像是浪得虚名呢。撤，袁让，不可深追。Vous pouvez maintenant appeler Xiaoyuan pour vous aider par le biais des renforts. Ok. Puyang. Nous sommes à Puyang. Je suis Xu Niu, le conseiller du général Cao. À l'origine, le colonel Xiaowu était chargé de défendre la ville de Puyang. Cependant, il a été attaqué par Lu Bu pendant son absence et le château a été pris. Comme d'hab. Ok les amis, et ben des bisous sur YouTube et on se retrouve au prochain épisode pour continuer tout ça. Ah oui, juste avant, je vais vérifier avec vous. Ah, on est bel et bien dans la partie 5. OMG, chapitre 5 les amis, niveau 61. C'est pas tant, non? Attends, je suis à combien? Je me souviens plus. Je suis à combien là? 55. Ah oui, c'est quand même 6 niveaux. Il y a 6 niveaux de plus. Bon, on farmera peut-être un peu entre cette VOD et la prochaine. Allez, des bisous sur YouTube. Ciao, ciao.